Voilà la Spot 300 Lumen de Black Day. Alors c'est une lampe qui a beaucoup de fonctionnalités. Donc elle a un système où c'est un peu comme les phares de voiture. Voilà, on a le phare ou les codes ou les phares. Voilà, ou les codes ou les phares, etc. Ensuite il y a un réglage de l'intensité. Voilà, si on appuie 3 secondes, on a le mode dortoir, que j'appelle le mode dortoir. Lui aussi, il a un réglage d'intensité. Et si on clique 3 fois, on passe en mode alarme. Voilà. La nouvelle Spot 300. Alors, un petit bilan. Donc, on voit un peu la proéminence là, du corps de lampe, la finesse du bandeau. C'est relativement fin, mais encore une fois, c'est assez confortable. Voilà. Surtout, c'est la capacité de le régler pile poil. Voilà. Simplement avec un seul geste. Ça, c'est vraiment. Par rapport à. Ce que j'ai déjà testé sur la Revol, c'est beaucoup mieux. Alors ensuite, pour ouvrir le boîtier, ici, il y a une petite tirette qui libère la sécurité et on tire dessus. Voilà. Et on a accès aux piles, 3 piles. Voilà. Voilà. Ça, c'est très simple. Allez, je le refais, tiens. Il y a ce petit encoche là. Et on tire en même temps. Donc ça peut se faire même les doigts un peu froids, dans des conditions un peu exposées. Bon, ce qui est remarquable, c'est son prix, puisqu'elle est à 40 €, donc avec toutes les fonctionnalités qu'elle a. C'est pas une lampe rechargeable avec un cordon mini USB, donc il faut utiliser des piles. Mais ce système-là est très bien aussi pour les gens qui partent en autonomie, avec un ou deux jeux de piles, je pense qu'on peut tenir une petite dizaine de jours. Ça dépend évidemment des conditions, comment on utilise la lampe. Voilà. Purée de poids.